Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui subit une pression de ses camarades pour essayer des drogues? Comme conseil, je pourrais dire en fait à ces jeunes-là qui utilisent la drogue de cesser. Voilà. La seule solution, c'est de cesser la drogue pour avoir, on va dire, une longue durée de vie, une bonne santé et puis une bonne image. De marcher avec des personnes qui pourront te faire évoluer dans le sens où tu pourras fuir cette drogue-là au lieu de te laisser attirer vers elle en fait. Ce que je peux lui dire, il a qu'à éviter les mauvaises camarades, c'est mieux. Écouter les parents, aller à l'école directement, laisser tout. Ce que je peux dire aux enfants, aux élèves, de ne même pas consommer la drogue, car ce n'est pas bon. C'est plus la peine de consommer. Si vous avez des amis qui consomment la drogue, qui vous invitent, évitez, quittez-les. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui subit une pression de ses camarades pour essayer des drogues? La consommation de drogue est un choix personnel et personne ne devrait se sentir obligé de le faire. Il est donc crucial de ne pas céder à la pression des autres lorsqu'il s'agit de consommer des drogues. Dire non avec fermeté et confiance. Si vous avez des amis ou des camarades qui consomment des drogues, il est recommandé de les éviter pour ne pas être influencé. Si la pression est forte, parlez-en à un adulte de confiance comme un parent, un enseignant ou un conseiller qui pourra vous aider à gérer la situation. Choisir des amis qui respectent vos valeurs est généralement essentiel. Enfin, prenez le temps de réfléchir aux conséquences à long terme que la consommation de drogue pourrait avoir sur votre santé, vos études et votre avenir. Si vous ou l'un de vos proches êtes confronté à un problème de drogue, n'hésitez pas à contacter un professionnel de la santé ou un organisme spécialisé.